comment ça va aujourd'hui? Très bien. On espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va jouer Mamie Goinfrounet. C'est pas tout à fait ça. On va jouer à Granny Goinfron. Mamie Goinfrounet. C'est une nouvelle interprétation du jeu, oui. En fait, hein. Un nouveau nom. Alors voilà, Granny Goinfron, c'est en fait une grand-mère qui adore manger des petits gâteaux et les enfants qui sont autour vont essayer de lui prendre ses gâteaux. Vous vous rendez compte? Et je crois bien que Granny Goinfron va avoir une petite réaction quand même, hein. Donc c'est un jeu qui nous a semblé très rigolo. Oui. On s'est dit que ce serait sympa de le tester. Vous êtes prêts les garçons? Prêts. Oui. On ouvre la boîte? On ouvre la boîte. Allez. Oui. Ah, t'as sorti une grand-mère, je crois. C'est ça. Ah, les jambes d'une grand-mère maintenant. Ah, voilà. Puis-je avoir la notice, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Donc, comme d'habitude, les copains et les copines, pendant que Néo procède au montage du jeu, là, avec une grand-mère sur son canapé. Eh bien, moi, je vais prendre connaissance de la notice et on se retrouve tout de suite après. Donc, ça y est, on a installé Mamie dans son fauteuil. On lui a mis son dentier, hein. Donc, oui. Les copains et les copines, vous verrez le dentier tout à l'heure. On en aperçoit un petit bout, là. Parce que quand la grand-mère se réveille, le dentier saute, en fait. Voilà, on vous présente Granny Goinfron. Une gentille mamie, enfin elle a l'air gentille comme ça, hein, mais qui n'est pas tout à fait d'accord pour partager ses gâteaux. Et comme nous, évidemment, nous sommes une famille de gourmands, on va tenter de lui prendre ses biscuits. La règle du jeu est extrêmement simple. On nous dit, mamie adore les biscuits et elle veut tous les garder pour elle. Quand mamie s'endort, c'est le moment d'attaquer. Attends ton tour et pique des biscuits. Et attention de ne pas la réveiller. Alors Swan, tu as une petite molette. Alors qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur une case verte? On récupère un biscuit. Oui, on prend un biscuit mamie. Oui. Et puis on appuie sur le bouton. Tout à fait. Et donc on appuie sur le bouton le nombre de fois qui est indiqué. Si on tombe sur le 1, on appuie une fois, deux fois ou trois fois. Et alors quand on tombe sur une zone violette, qu'est-ce qui se passe? Ben, on rend un biscuit. Oui, on rend un biscuit au plateau de mamie. Mm-hmm. Et puis, on appuie sur le bouton. Et voilà, toujours sur le bouton. Et pareil, on appuie soit une fois, soit deux fois, soit trois fois. Donc bien sûr, ça augmente le risque de réveiller Granny. Quand on tombe sur le panneau comme ceci là, qui ressemble un petit peu à un panneau sans interdit, qu'est-ce qui se passe? On passe son tour. Et oui, et quand on tombe sur les deux petits bonhommes, un qui fait la tête et un autre qui sourit, qu'est-ce qui se passe? On prend les biscuits de quelqu'un d'autre, d'un autre joueur. Oui, tu as tout compris petit cœur, ça veut dire qu'on peut prendre un biscuit à un de ses adversaires. Je sens qu'il y a de la bataille dans l'air. Voici les quatre sortes de gâteaux qu'il faut récupérer sur le plateau de mamie. Alors, les gâteaux sont importants, en tout cas la forme des gâteaux, parce que le gagnant, c'est celui qui aura réussi à récupérer un gâteau de chaque à la fin du jeu. C'est ça le but du jeu en fait, récupérer un gâteau de chaque sorte. Et bien entendu, sans réveiller Granny. Qu'est-ce qui se passe quand on la réveille, hein? Ben, elle fait sauter son dentier. Tout à fait. Et pour le joueur qui l'a réveillé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rendre tous ses biscuits. Tout à fait. T'as bien compris, petit Swan. Allez, recommence à zéro. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à Granny Goinfron? Oui. Oui. Allez, c'est parti, on commence. Qui commence? Moi. Papier ciseaux. 1, 2, 3, papier ciseaux. Zut. C'est Swan qui gagne. Allez, vas-y Swan, tu actionnes la petite roulette. Alors, tu es tombé sur quoi? 3, ça commence bien. 3 et tu prends un gâteau, c'est ça, c'est la zone verte, hein. Alors, choisis un gâteau et 3 fois sur le bouton. Non, un seul gâteau, Poussin. Et 3 fois sur le bouton. Fort, vas-y. 1, 2, 3. Allez, c'est au tour de maman. Ah bah maman, elle fait 3 aussi. Donc, un petit gâteau. Je vais prendre celui-là, il ressemble au bretzel, c'est joli. Et attention, j'appuie 3 fois. 1, 2, 3. Oh non, c'est pas vrai. Ah, c'est peur. Ah mais j'ai toujours autant de chance à ce jeu.
chat-là, moi. Elle fait super peur. Non. Elle a gardé ses dents. Ah. Ma, c'est un petit soubresaut. Elle a encore ses dents, c'est bon. Bon, bah par contre, j'ai avec pas dit les dents, il fait peur. Moi, j'avais seulement un gâteau. Oh, zut. Bon, allez, on rendort Granny. Bonne nuit, Granny. T'inquiète pas, on va veiller sur tes gâteaux. Et on remet, en tout cas, moi, je remets mes gâteaux, enfin mon gâteau, sur le plateau, ainsi que ceux qui ont sauté. Voilà. Il y a que Swan qui garde le sien. Non, Swan, tu gardes le tien, toi. Allez, Néo, c'est ton tour. Deux. Alors, vas-y. Un gâteau. Oh, bon. Oh, voilà. Et j'appuie deux fois. Un. Deux. C'est bon. Allez, c'est ton tour de Swan. Quand tu passes ton tour, petit cœur. Allez, c'est au tour de maman. Alors, trois fois. Mais alors, on me dit de rendre mes gâteaux, mais je n'en ai pas. Donc, c'est pas compliqué. Par contre, je dois appuyer trois fois. Un, deux, trois. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Pas possible. Pourquoi il n'y a que moi qui la réveille? C'est incroyable, cette histoire. Bon, de toute façon, j'avais même pas de gâteau. Bon, ben, on rendort Granny encore. Et on continue la partie. Allez, c'est au tour de Néo. Deux. Alors, vas-y. Donc, déjà, tu peux reprendre un gâteau. Gâteau. Ça prend forme. Un. Deux. Bon, tout va bien. Swan, c'est ton tour. Ah oui, à Swan. Ensuite, à toi, maman. Oula. Alors, trois. Vas-y, poussin. Tu peux prendre un gâteau, déjà. Badel. Oh non, je sens que je vais pas. Trois fois. Deux. Trois. Mais pourquoi vous avez autant de chance? Et comme par hasard, il va se passer quelque chose. Je le sens. Oh là, non. Je passe mon tour. C'est ton tour, Néo. Il y a une justice. Alors? Ah, tu as le droit de prendre un gâteau à quelqu'un. Ah bah cool. Tu t'es fait prendre un biscuit. C'est ton tour, Swan. Peut-être que tu vas pouvoir lui reprendre. Et t'en as déjà trois, toi. Oui, trois. Alors, Swan, t'as fait trois, c'est ça? Ouais, trois. Un gâteau, un gâteau et trois. Un, deux. Ah. Oh là. Oh, pauvre petit cœur. Tu lui rends tes gâteaux. Oh là là. Elle veille, hein, cette Granny. Hein. On peut pas l'avoir comme ça. Hein. Allez, c'est au tour de maman. Attention. Voyons, voyons. Alors, bah, il faudrait que je rende mes biscuits. Mais bien sûr, je n'en ai aucun. Et par contre, j'ai fait trois. Attention. Un, deux, trois. Allez. Voilà. Trois, pas trois, pas trois, pas trois. Pas... Deux. Alors. Alors, je prends le gâteau. Pitié. Ouh là là, là, ça se joue. Attention. Retour à la case départ pour Néo. Ça fait bien plaisir à Swan. Il fallait pas lui prendre un biscuit tout à l'heure. Hein. Voilà. Allez. Personne n'a de biscuit. Non, on recommence tout à zéro. On recouche Granny. Ah oui. Voilà. Et là, c'est à toi, Swan. Bonne nuit, Granny. Alors, on recommence. Trois. Trois pour Swan. Allez, tu peux prendre un petit biscuit. 1, 2, 3. Ça va? Elle dort encore. C'est le réveil en fait? Oui, c'est le réveil, tout à fait. C'est comme dans Réveille pas papa. Alors. J'espère que tu fais combien? 1. Tu fais 1. Ouf. Un biscuit pour maman. Attention. Ouf, 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 ouf. À toi. 2. Mm-hmm. En mode vert. Alors vas-y. Un gâteau. Un petit gâteau. Ah! Oh yes! Et ça, elle s'est pas réveillée. Mais t'as fait qu'un là! On n'a pas entendu le deuxième! Ah non. Oh bon. La chance! Yes! T'as eu chance! Swan, c'est ton tour! 4! Alors, un nouveau biscuit. Et. Un, attention! Deux. Ouf.
Dis donc, c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Et c'est mon tour. Hop, attention. Alors. Je suis sur quoi, moi? Oh non! Ah, je prends un biscuit à quelqu'un. J'ai rien, moi. Mon fils chéri. Donne-moi ton petit gâteau. Merci. Merci, Léo. À moi. Allez, c'est ton tour. Mais on a oublié de repoucher Granny. Bah, je veux le faire. Alors, vas-y. Endors là, voilà. C'est bon. Et du coup, t'es tombée sur quoi? Bonne nuit. Bonne nuit, Granny. Alors, je vais prendre un bretzel. Hop. C'est bon. C'est ton tour, Swan. Croix. Ah. Allez, vas-y. Pas de chance. Trois fois. Bon, t'as rien à rendre déjà. Non, tu n'en prends pas. Violet, c'est pour les rendre, mais t'en as pas à rendre. Allez, tu appuies trois fois. Attention. J'espère que tu vas faire. Alors. Yes. J'ai fait 3. 3. Oh, 3 plus 3, elle va la réveiller. Alors là, c'est la catastrophe, c'est sûr qu'elle va se réveiller. Hein. 1. 2. Ouh. Elle ne s'est pas réveillée. Réveille-toi. Et j'ai déjà 3 biscuits. Réveille-toi. Pas de chance. 3. Ah, voilà. Allez, reprends un petit biscuit. Et voilà, tu vois tous tes gâteaux. Oh là là. Allez, on recouche Granny. Et c'est ton tour, Swan. Ah, c'est pas facile, hein. Alors, t'es sur quoi, Swan? 1. Hein? Allez, vas-y, t'as le droit de prendre un gâteau. Voilà. C'est bon. Allez, c'est mon tour, attention. Est-ce que tu vas y arriver? Bah, ça serait bien quand même. Attention. 2. Alors là, c'est l'instant fatidique, hein. Je vous rappelle que j'ai déjà 3 gâteaux. Ils sont là. Je prends un 4e gâteau. Donc là, j'ai les 4 gâteaux. Si elle ne se réveille pas, j'ai gagné. Attention. Réveille-toi, vite, réveille-toi. C'est 2, hein. Dis deux. Oui, 2. Hein. D'accord. Ça veut dire que ça l'a gagné aussi. Moi aussi, maman, j'étais dans ton équipe. Oui, yes, j'ai gagné. Une équipe formidable. On a gagné. Wow. Le seul jeu auquel je gagne, c'est un jeu avec une grand-mère. Je sais pas comment je dois le prendre. Alors, les garçons, comment vous avez trouvé ce jeu Granny Goinfron? Super rigolo. C'était bien, hein? Oui. C'était très sympa, c'est vrai. Quel est le moment que vous avez préféré? C'est quand elle s'est réveillée d'un coup comme ça et que tout le monde a eu peur. Et toi, Swan? C'est quand t'as gagné. Oh, t'es mignon. Super fair play. Et toi? Et moi, le moment que j'ai préféré, ou peut-être le moment que j'ai gagné quand même. Quand même. Mais désolée, Swan, hein. Il est tout déçu, tu sais. C'était pas ce qu'il fallait répondre. Les copains et les copines, quel est le moment que c'est préféré? Nous, les commentaires. Merci de partager cette vidéo. Pensez-vous? Bonne. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt, les copains et les copines. Bye bye. À bientôt, les copains et les copines. Amusez-vous bien avec votre Granny Goinfron quand vous en aurez une. Et bye bye, tout le monde. Bye. J'ai peur.